Le comité chargé de l'audit du fichier électoral en République démocratique du Congo a rendu ses conclusions le 25 mai 2018. Selon les représentants de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et des 29 représentants du pays constituant ce comité, le fichier électoral présenté par la CENI est fiable à 90,2%. Des statistiques dont la probité se fonde sur le caractère inclusif des inscriptions menées à travers toutes les régions du pays. Autre point fort, la performance du matériel d'enrôlement utilisé. Mais l'inclusivité lui-même du fichier électoral repose sur le fait qu'en fait les données sont des données nationales. Les données qui concernent non seulement toutes les provinces du pays, même également les provinces qui étaient touchées par le conflit, mais l'enrôlement concerne également toutes les catégories sociales, hommes, femmes, et d'ailleurs, dans certaines régions, le pourcentage de participation de catégories comme les femmes est plus élevé. Jugé inclusif, exhaustif et actualisé mais perfectible, le fichier électoral congolais présente certaines anomalies. La plus importante rapportée est la présence de plus de 16% d'électeurs sans empreinte digitale, ces derniers enregistrés sur toute l'étendue du territoire. L'OIF a également mis en garde contre d'éventuelles fraudes en raison par ailleurs du manque de traçabilité de plus d'un million de cartes d'électeurs vierges. Nous avons, dans la recommandation, exigé que la CENI mène des investigations beaucoup plus approfondies et surtout pour identifier les motifs réels de l'absence d'empreinte. Et c'est ça qui est important. En RD Congo, le fichier électoral actuel compte près de 40 millions d'électeurs. La mission d'audit lancée le 8 mai a confirmé la suppression de doublons et de mineurs de ce document. Elle a également contenté l'opposition et la société civile qui pointaient des irrégularités dans le processus d'enrôlement des votants. En clôture de ses activités, le comité d'audit a recommandé des enquêtes et des sanctions contre les agents électoraux dans les provinces du Sankuru et de la Choapa, responsables des dysfonctionnements observés.